Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu particulière parce qu'en fait je vous présente ma box, la Nude Box, et donc ce sera celle de mars 2017. Alors ça sera donc un unboxing classique comme j'ai l'habitude de les faire sur ma chaîne, donc le petit coffret rose estampillé Nude Box. Et quand on ouvre, il y avait une surprise à l'intérieur. Voilà, en fait il s'agit du Nude Mac que ce mois-ci nous avons choisi d'imprimer en fait sur du growing paper. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que le growing paper? En fait c'est tout simplement un papier qui contient des petites graines. Donc en fait vous pouvez planter votre Nude Mac et ça vous fera donc des petites fleurs. Donc ça peut être de la salade, des petites fleurs des champs, voilà, c'est au hasard réparti dans les box. Donc voilà, c'est Growing Paper, en fait c'est vraiment une entreprise hyper sympa, enfin voilà, on est très très content de travailler avec eux. Donc c'est eux donc qui nous ont fourni le papier pour les box, et ça sera comme ça donc pour toutes les prochaines box. Vous pourrez toujours planter votre Nude Mac, voilà, ça vous fait un petit goodies en plus dans votre Nude Box. Ensuite donc le petit papier de soie et les produits à l'intérieur. Le premier produit, c'était une Amandie Chantilly au beurre de karité bio. Et je vous promets, ce truc a une texture, mais c'est un truc de fou. Donc en fait, quand vous l'ouvrez, ça fait une petite chantilly. Je vais vous montrer tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Voilà, et en plus, ça sent divinement bon. Enfin franchement, voilà, c'est tout ce qu'on cherche, c'est une crème. C'est hyper facile, hyper agréable d'utilisation. Et en plus, ça sent bon, voilà. Et en plus, les gens... Mon Savonnier, comme un Grégory de chez Mon Savonnier, c'est quelqu'un de très 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 sympa. Donc voilà, c'est un produit super top. Balbam est sûrement une marque que vous connaissez déjà parce qu'elle est très présente sur les réseaux sociaux. Elle a été présentée maintes et maintes fois, mais voilà, sa réputation n'est plus à faire. Elle fait vraiment des super super produits. Et donc dans la Nude Box de mars, on vous proposait en fait un petit hydrolat à la rose. Voilà, donc en fait ça s'utilise pour hydrater votre visage, voilà, vous pouvez en mettre le matin, ou même vous pouvez l'utiliser aussi le soir avant d'aller vous coucher. Ça fait un petit peu de toner en fait, hein, tout simplement, quand vous avez la peau qui tiraille un peu. Un petit peu d'hydrolat de rose, et voilà, c'est reparti pour un tour. Ça sent divinement bon, c'est super pratique à utiliser, enfin voilà. Et en plus, c'est un petit format, c'est un full size, hein, tous les produits en fait qui sont dans la box ce mois-ci étaient des full size, donc vraiment, on vous a gâté. Et en plus voilà, ça se promène partout, vous pouvez mettre dans le sac à main, dans le petit vanity pour le voyage, enfin voilà, c'est topissime. Mon petit coup de cœur de cette Nude Box, c'est sûrement ce petit mascara beau en fait, parce que vous avez vu ce packaging, c'est juste hyper top, ça peut se glisser dans une poche de jean hyper facilement. C'est un full size malgré ce qu'on pourrait croire, il y a autant de quantité de produits que dans un grand mascara, vous savez, sous forme de crayon, enfin classique. Donc ça se glisse vraiment partout, et en plus il fait des cils, c'est celui que je porte en ce moment, je sais pas si vous avez vu, mais l'épaisseur et la taille de mes cils. Après j'ai des cils quand même qui sont naturellement assez longs, mais là franchement ça fait un maintien, ça fait un regard et tout, enfin je l'adore, franchement je l'ai totalement adopté dans ma routine et tout. C'est vraiment pas pour vous vendre le truc, hein, mais c'est parce que vraiment j'ai la première fois que je teste un produit de la marque Boho. Bah je pense que franchement j'en testerai plein d'autres et je pense que je vais les adorer. Ensuite nous vous avions mis un petit haul de la marque Annecy Cosmetics, d'ailleurs on vous avait fait un petit sneak peek sur Instagram et vous aviez adoré la couleur vert sapin, et nous aussi on l'a adoré cette couleur. Voilà, donc c'est un petit haul casual en forme de stick en fait, donc c'est bon, je vous présente pas je pense comment on applique un haul, je pense que vous savez l'utiliser, mais en tous les cas voilà, la couleur est top, c'est tendance, en plus le kaki entre guillemets ça revient à la mode là en ce moment, donc on était totalement dans les tons du moment. Voilà, c'est un petit produit qui vaut quand même plus de 13 € à la base, donc ça vous a quasiment rentabilisé la Nude Box, donc c'est vraiment vraiment pas mal. Il faut dire que la Nude Box ce mois-ci valait plus de 40 €, donc on vous a vraiment fait un beau cadeau ce mois-ci, on a vraiment mis tout notre petit cœur pour vous faire vraiment une super super box, et on espère avoir réussi, mais en tous les cas pour l'instant vous nous avez donné que des retours ultra positifs, donc on est très 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 content. Donc voilà pour ce petit haul Annecy Cosmetics qui fait absolument bien son travail. Et enfin le dernier produit de cette Nude Box de mars, c'était les petites pastilles de la marque Aromandise. Donc ça on vous l'avait présenté en fait sur Instagram, la marque Aromandise, on vous avait montré plein plein de trucs et vous nous avez demandé en fait les pastilles, donc on vous a donné les pastilles. Et peut-être que dans une prochaine box il y aura peut-être encore les barres Aromandise, je ne sais pas. Bref, ne dites rien, je ne vous dis rien non plus, on vous garde la surprise bien évidemment.
En tous les cas, pour ces pastilles, elles sont vraiment top. Voilà, c'est des pastilles entièrement bio, hein, donc comme tout ce qu'il y a dans la box, sans gélatine, sans toutes les cochonneries qu'on peut trouver dans les bonbons. Donc voilà, vous pouvez les transporter partout avec vous, dans votre sac à main, dans votre voiture, dans un coin de votre cuisine, voilà, après un repas. En tous les cas, c'est vraiment top, elles sont super bonnes. Les gens qui tiennent la marque Aromandis sont des gens absolument adorables. Donc voilà, c'est encore ce genre de marque que j'adore. Vous savez, une petite entreprise française qui fait super bien les choses. Voilà, franchement, je vous invite à faire un tour sur leur e-shop. Il est vraiment fabuleux, ils font des tonnes et des tonnes de produits plus adorables et plus abordables en plus les uns que les autres pour du bio, donc c'est vraiment super. Voilà les filles, c'est tout pour cette Nude Box de mars 2017. On a vraiment trop hâte de vous montrer, de vous envoyer la box d'avril. Franchement, on est en train de travailler dessus et tout. Et en plus, alors je vous dis là entre nous parce qu'on est sur ma chaîne et tout, mais secret pour ceux qui... voilà, qui n'ont pas forcément envie d'avoir plus d'informations et tout. Mais en mai, en fait, il se trouve que c'est le mois de mon anniversaire et j'ai décidé de vous faire des surprises. Donc en fait, en mai, ça sera une box légèrement plus spéciale que les autres et vous aurez deux découvertes gustatives au lieu d'une seule. Voilà, parce que j'avais décidé de vous faire voilà, un petit plaisir en plus en mai. Donc je ne vous dis pas plus de choses. Voilà, vous gardez ça pour vous, ceux qui passaient sur ma chaîne. Et les autres, eh ben, surprise. Voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous. J'espère vraiment que cette Nude Box vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je vous mets tout en barre d'infos pour que vous puissiez vous abonner. On vient également de sortir en plus la solution de paiement PayPal sur le site, donc c'est encore plus pratique sur vous. Vous pouvez vous abonner aussi à 3 mois pour 50 euros, 6 mois pour 100 euros et 12 mois pour 200 euros. Voilà, j'ai bien retenu et j'ai bien appris ma leçon. A plus tard les filles dans une prochaine vidéo. Bye.